Françaises, Français, merci de m'accueillir chez vous ce soir. Je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je viens vous dire la vérité. Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Est-ce que le monde multiculturel n'est pas un monde dangereux ? Voilà, encore un mariage musulman, il y en a un qui s'en va, un qui arrive. Voilà, c'est... Vive Fréjus. C'est paradoxal, mais... J'ai un ami qui me disait qu'on a l'impression que depuis que la ville est passée au Front National, c'est de plus en plus. Les cris qu'ils poussent lors de leur mariage, c'est interdit en France. Enfin, en tout cas ici. Et ils ne le respectent pas. Ah, c'est des cris bizarres qu'ils font. Moi, je sais pas, j'étais dans des mariages traditionnels en France. Il n'y a pas de cris bizarres comme ça, glou, 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 là. Je sais pas, comment on crie vive la mariée, vive, voilà. La sortie de la mairie, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Hein. J'ai perdu un ami... au Bataclan à Paris, un ami très cher. Et je l'ai appris, le soir où je l'ai appris, j'étais sur la place, là. Et ça, je leur en veux beaucoup. On l'a retrouvé dans la salle, une balle, le plateau-thorax. C'est un ami avec qui j'allais au concert. On allait voir beaucoup de concerts de métal ensemble. Et quand j'ai appris sa mort, il y a une haine, mais une haine qui est monté en moi, c'est horrible, c'est horrible. Je leur en veux, je leur en veux, je me dis, mais ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mon premier parti, c'était le Front National. En 90, je vais avoir dans les 24 ans, nous n'avions pas encore Marine, nous avions son père. Ce n'était pas le même genre de discours qu'aujourd'hui. J'ai commencé à coller des affiches. C'était un tremblement de terre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas militer pour un parti comme ça? Quelle horreur! La famille, des amis qui vous tournent le dos. Bon, la famille, c'était toujours un peu embêtant. Les amis, ça n'a pas été plus grave que ça. Je me suis dit, ça veut dire que s'ils me jugent juste sur ça, tant pis. Je me ferai d'autres amis et c'est ce qui s'est passé. Ok, super. Bisous, ciao, ciao. Oui, ça marche. Oui, oui, tout à fait. Ciao. Ciao. Nickel. On met deux marines. Moi, je fais deux marines. Moi, je m'en occupe des deux marines. Moi, je vais la colle. Ok, let's go. Allez. Pour le bandeau en bas, hein, au milieu. On était perçus vraiment très, très mal. Il fallait vraiment calmer le jeu. Marine l'a fait. Elle a dédiabolisé le parti. Aujourd'hui, vous avez des jeunes comme Manon. Elle n'a pas connu ça avant. Quoi. Elle vit sous les idées de Marine. Et moi, j'apporte toute une série de solutions. C'est la fin de l'immigration et le retour d'une grande partie des immigrés dans leur pays. C'est sur ces images qu'il a été prié de s'expliquer par la police judiciaire jeudi après-midi. Des images qui le montrent s'en prenant violemment à la candidate socialiste. Moi, je suis partagé en deux, parce que j'ai connu avant et aujourd'hui. Vas-y. Vas-y. Le chien ici, déjà. Je repasse un coup sur ça, là. Ici, ouais. Ici, j'aurais peut-être... Tu veux pas mettre un bandeau? Ta mère! PD! Ah bah, dans la mesure où on m'agresse, quoi.
Mais il, vient, il le dit là-bas aussi, il passe pas ici. Ouais, mais il la boit pas ici. Atterrés, saisis de colère et d'incompréhension. Ils sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent plus bouger. Le parcours prévu initialement... Chers compatriotes, honnêtement, vous sentez-vous plus en sécurité aujourd'hui qu'en 2002? Bien sûr que non. J'aime la France. Oui, j'aime la France de toutes mes forces et de tout mon cœur. J'ai été choqué en 2002 quand Jean-Marie Le Pen a été qualifié pour le second tour. J'étais convaincu que c'était dramatique pour mon pays. Jean-Marie Le Pen symbolisait le racisme et la menace sur les Français d'origine africaine que j'étais. Et donc j'ai décidé de m'engager avec le Parti Socialiste à l'époque. Un engagement qu'on peut regarder avec un sourire aujourd'hui, si on voit aujourd'hui où je milite. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. L'honneur. Le Front National est aujourd'hui le premier, encore une fois, le premier parti de France. Un parti d'extrême droite, aujourd'hui, est potentiellement éligible en France. C'est un signal qui n'est pas mince. Les éléments de langage sont sortis. le Front National, je n'exacte pas, ce sont les anathèmes, extrême droite, parti de la violence, mais justement, etc. Alors, Marine Le Pen, finalement, est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a échoué à normaliser le Front National ? Il y a de plus en plus une composante vote d'adhésion dans le cadre du Front National. Il faut en tenir compte, c'est fait en retard, mais c'est ainsi. Allons sur le programme du Front National pour montrer à quel point il est dangereux et désastreux pour la France. Et je pense que la campagne du deuxième tour, elle va se résumer à tous contre le Front National. Au moins, les choses sont claires. Une compétition entre programmes, acceptez-le comme tel. Ne vous mettez pas dans la posture, je dirais, paranoïaque, évidemment, d'avoir tout le monde contre vous. Et ainsi va la démocratie. On va aller justement du côté de la porte. Tout le travail reste encore à faire au sein de la communauté noire, même si de plus en plus de personnes soit nous rejoignent, soit nous écoutent. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on n'écoutait pas une personne du Front National. Elle était forcément raciste et xénophobe et antisémite. Toutes les races sont égales, mais il y en a qui sont plus ou moins égales. Trois couleurs d'affiches du Front National vont se retrouver tout à l'heure devant la cour d'assises. Une balle dans le dos. Ibrahim Ali s'écroule. Il avait 18 ans. Cette nuit-là, les trois militants étaient en train de coller lorsqu'ils ont vu une dizaine de jeunes Comoriens et Maghrébins courir en leur direction. Oui, bonsoir. Fédération du Front National de Paris, bonsoir. Donc, je vous ai adressé M. Philippe, qui serait donc disponible pour voter pour votre conjoint. Vous l'avez bien eu ? Bah, écoutez, parfait. Merci, au revoir. Un vote supplémentaire. Si je devais avoir un rêve, ce serait qu'un Français, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, puisse se lever en se présentant en disant « Je suis Français ». Point. Et que ça suffise. Vous voulez voir Florian Philippot, ministre de l'Éducation ? Vous voulez voir David Rachid, ministre de la Culture ? Dites non au Front National. Vous pourrez ensuite dire non à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Mais dites d'abord non à l'extrême droite raciste et xénophobe qui est toujours à l'attaque pour bafouer vos droits. Dites-lui non dimanche. Le choix que j'ai fait de rejoindre le Front National est un sacrifice pour mon pays. Parce que est associé à l'étiquette Front National encore un certain nombre de stéréotypes et de peurs qui sont extrêmement vivaces. Même si ça n'a pas le même impact qu'il y a 15 ans, ça a encore un impact. C'est toujours une surprise de voir un camarade issu des rangs de la gauche rejoindre un parti d'extrême droite. Ça, je pense qu'on ne trouvera personne pour dire le contraire.
Après, il faut relativiser sur la personne qu'est ce monsieur. J'ai employé le terme de camarade, je pense qu'il n'est pas du tout approprié. Ce monsieur qui n'était du tout un militant actif du Parti Socialiste, ne sortait du bois, désolé pour cette expression, qu'au moment d'une quelconque élection, et donc n'avait qu'une seule envie, c'était d'être candidat, quelle que soit l'étiquette, à une élection. Je pense qu'il n'existe pas spécialement ni de socialiste Guy Debal, ni de Front National Guy Debal. Madame la Présidente, chère Marine, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous à l'occasion du lancement du collectif Banlieue Patriote. Je pense qu'il existe un Guy Debal opportuniste. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui. Malheureusement, ce Guy Debal opportuniste est en capacité, c'est une expression française, d'aller manger à tous les râteliers. Il est prêt à tout, cet homme. On ne peut être connu et élu que si l'on passe à la télévision et à la radio. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Il y a ici beaucoup de protestations contre votre venue ce soir. Je vais faire courir, moi, tu vas voir, Rouquin. Au milieu des caméras, il l'écoute, attentif. Jamais Jean-Marie Le Pen n'avait accompli ce que sa fille réalise aujourd'hui. Et pourtant... Le FN décroche une dizaine de mairies et plus de 1500 conseillers municipaux. Mais Marine Le Pen ne s'en cache pas. Son seul objectif, c'est la présidentielle de 2017. Pouvoir démontrer à la France ce que le Front National est capable de faire. Alors je pensais faire un track comme ça avec photo du candidat, donc Marine Le Pen, votre candidat. Puis deux sortes de tracks, donc celui-là et en dessous il y a l'éradication. On en prend combien? Ça n'a pas été une évidence. Non. C'est Marine qui m'a touchée dans ce qu'elle disait. Avec Marine dimanche pour les élections. Monsieur, bonjour. Avec Marine dimanche. Avec Marine. On a eu à peine le temps de se retourner qu'on est face à des femmes qui se promènent voilées. Ça m'agresse, moi. Pour moi, c'est une agression visuelle. Je le dis sans agressivité, j'insiste là-dessus. Pourquoi ça m'agresse? Vous savez pourquoi? C'est la condition de la femme, moi, qui me scandalise dans cette histoire. Que l'on voile des femmes en 2017, ça fait peur. C'est même pas autre chose que ça, quoi. On voile les femmes. Bon, ben, voilons les femmes, alors. Moi, on me voilera pas, hein. Je peux vous le dire. Hein. Je préfère mourir. Avec Marine, dimanche, on se décide à changer les choses une bonne fois pour toutes. C'est l'heure du choix. On veut nous faire croire qu'on est tous pareils et que c'est l'universalité. Il y a un tas de mots savants. Ouais. Non, non, on n'est pas tous pareils. Bonjour madame, avec Marine dimanche. Bonne journée. Alors les jeunes, je vous laisse ça vous inspire ou pas? Allez, lisez-le au moins, même si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Allez, hein. Ne le jetez pas, hein. Jocelyne, je suis Maryse. Ah Maryse, comment vas-tu? T'as pas la route de peine, toi? Ben évidemment. Ben moi non, hein. Elle, on a été éduqués, on n'a pas été éduqués dans le racisme, hein. Bah toi, non. C'est pareil, hein. Bah évidemment. Alors, on est de la même génération. Exactement. On a eu une pauvreté ouvrière. Tout à fait. Là, nos parents étaient amis d'enfance. Voilà. Donc, on était voisins, ouais, hein. Voilà. Mais cette fois-ci, je vais voter, mais je vote blanc. Bah écoute, le principal, c'est que tu ailles voter. Oui. Ceux derrière, ils sont obligés d'aller le chercher, tu comprends. Devant, ils le virent. Allez, il est là, le fromager. Je viens d'y aller.
De rien. Il est excellent le fromage. Et d'ailleurs, tu le sens. Oui. Tu sens ? Ça sent bon le fromage. Ça pue bon, comme oui, on dit. Ça sent le fromage français. J'adore le fromage. Hélas. Mais des sources proches du dossier parlent d'un homme au profil psychologique instable. Allez, un homme radicalisé, c'est parti. En étant placé en garde à vue, le suspect sera transféré à la sous-direction anticorps. C'est pour qui, ça ? Hein ? C'est pour qui ? Il y a des forces maléfiques, certainement, qui font que ça va de plus en plus mal et qu'on se dirige tout droit vers une fin. Pas une fin du monde, peut-être, mais vers la fin de quelque chose. Et je ne veux pas que mon pays soit dissous dans une espèce de magma mondial, là, où on ne va plus savoir qui on est. L'avenir électoral, cela dépendra de papa. Mais Marine aura-t-elle réellement envie de se faire un prénom en politique ? Voilà, dimanche, je choisis la France, je vote Marine. Nous sommes un véritable aspirateur à émigrer. Il faut couper le courant. Supposez, Madame Guichenet, que vous soyez partie de chez vous tout à l'heure en oubliant de fermer votre porte. Quand vous allez rentrer à 11h30, vous allez vous apercevoir qu'il y a une famille de Sénégalais avec leurs 6 enfants installés dans votre salon et votre chambre à coucher. Qu'est-ce que vous allez faire ? Que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s'installer dans votre appartement ? Vous accepteriez pas ? Bon, et que de surcroît, ils changent le papier peint. Et que même pour certains d'entre eux, ils volent votre portefeuille. C'est des combats, et il y a toujours eu, à un moment donné, se dire, mais quand est-ce qu'on va arriver en haut, quoi ? Quand est-ce qu'on aura un candidat à nous qui va nous gouverner, quoi ? Merci bien, bonne journée. Et à chaque fois, on se dit, allez, c'est pour là. Plus sûr de rien. Des idées fausses. Je peux voter ? Oui. À voter. Et voilà. Sur nos falaises blanches. On va y arriver. Si vraiment c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera plus tard. Je peux voter. 12. 11. On fait des tas de 10. Macron. Le Pen. Oh putain, c'est pas vrai. Même dans Fréjus, on n'est pas devant. Non. Eh bien, on est reparti pour 5 ans, c'est bien. Hein ? Les gens viennent pleurer après. Plus d'attentats, plus de trucs. Oui, mais vous faites dehors, pas ici. Mais oui. C'est tout.
maison de tous. Oui, bah, c'est bien. Continuez, ça fait du bien. Mais on vous respecte. Ah ben, bah, ça s'est vu. Drapeau européen de merde, là. C'est sur son bas, c'est bien. Ça, dehors. Mais Richard, c'est bon, c'est bon. J'ai envie de quitter le pays, partir dans un pays où c'est pas comme ici. Mais comme je l'ai déjà dit dans tes questions bien avant, j'aime ce drapeau. Ce drapeau, je l'aime et j'ai pas envie de l'abandonner. Pas aux mains de ces gens-là, quoi. Voilà. C'est pas grave, on va faire avec. Merci. Est-ce que vous pensez qu'un jour Jean-Marie Le Pen conduira la France ? Oh, je n'ai pas cette vanité de penser que je pourrais un jour conduire la France, mais cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas ? Averses cruelles.